toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste. Alors, figurez-vous qu'il existe une étoile dans le système solaire que l'on appelle le Soleil, et je n'en parle pas beaucoup dans ces vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en discute, et ça tombe bien, parce qu'à l'heure où l'on parle, il existe une sonde qui s'appelle Parker Solar Probe, qui est en orbite autour du Soleil. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai invité un des spécialistes de cette mission qui s'appelle Milan Maksimović. Bonjour Milan. Bonjour, je suis Milan Maksimović, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille au LESIA, Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Je suis spécialisé sur la couronne, l'expansion de la couronne, et puis je travaille sur des expériences spatiales, donc des expériences qu'on met sur des satellites pour observer le Soleil. Et quel est votre rôle dans la mission Parker Solar Probe ? Dans la mission Parker Solar Probe, je suis lead COAI. Je suis donc responsable scientifique d'un instrument qui s'appelle FIELDS, un instrument qui mesure les ondes dans les plasmas, à la fois les ondes plasma et les ondes radio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'histoire de cette mission ? Il faut savoir que la mission de sonde solaire, pour étudier la couronne, a été une des premières missions qui a été proposée par les scientifiques à la NASA, en 1958 déjà. Mais qui a mis extrêmement de temps à devenir une réalité. Et la raison principale, c'est la technologie. Il faut un bouclier thermique qui soit suffisamment performant pour protéger la sonde. Le but principal, c'est de comprendre le chauffage et l'accélération du vent solaire. Si vous avez eu la chance d'observer la couronne solaire pendant une éclipse... Alors, si jamais vous avez la chance d'assister à une éclipse, partielle ou totale, surtout ne regardez jamais le Soleil sans lunettes de protection. On observe donc un halo lumineux autour du disque solaire qui est caché par la Lune. Et ce halo lumineux, c'est l'atmosphère du Soleil, sa couronne. Donc, c'est essentiellement les électrons de la couronne qui diffusent la lumière qui vient de la photosphère. Un peu comme dans un brouillard, les phares de voiture sont diffusés par les molécules dans l'air. Et donc là, on a la lumière de la photosphère qui est diffusée par la couronne et qui permet de voir donc la couronne. S'il est possible d'observer des éclipses totales de Soleil depuis la Terre, c'est parce que la Lune est à la fois 400 fois plus petite que le Soleil, mais aussi très exactement 400 fois plus proche. L'humanité arrive au bon moment parce que la Lune a été plus proche et il était donc impossible de voir la couronne, et comme elle s'éloigne de nous dans un avenir lointain, elle ne sera pas assez grosse par rapport à nous pour cacher totalement le Soleil lorsqu'elle passera devant. Et quand on fait des images de la couronne, on voit principalement la densité coronale qui est structurée par un champ magnétique. On a découvert que la couronne était très chaude et la température, c'est 1 million de Kelvin. 1 million de Kelvin, c'est beaucoup plus chaud que la surface du Soleil qui est à peu près à 5600 Kelvin. Vous avez une atmosphère, contrairement à l'atmosphère sur Terre. Quand vous vous élevez en altitude, au lieu d'avoir une température qui décroît, eh bien le Soleil et la couronne solaire, au départ, ça décroît un peu et puis tout à coup, ça se met à chauffer et ça atteint 1 million de Kelvin. Et donc la couronne est chauffée. On ne sait toujours pas pourquoi, comment. Et cette couronne solaire est tellement chauffée qu'elle s'évapore dans toutes les directions pour créer un flux de particules qu'on appelle le vent solaire. Quand le vent solaire interagit sur Terre, ça fait des magnifiques aurores boréales. Intuitivement, on se dit plus c'est chaud, plus ça va vite. C'est vrai à peu près quand on regarde la température des protons, c'est pas vrai quand on regarde la température des électrons. La couronne plus froide en électrons et en température moyenne émet un vent plus rapide. On ne sait pas pourquoi. La vitesse du vent solaire, c'est entre grosso modo 200 et 800 km par seconde. On arrive à expliquer, étant donné la température, en gros, le vent de 400 km par seconde, mais on n'arrive pas à expliquer le vent de 800 km par seconde. Tous les modèles montrent qu'il n'y a pas assez de température, il n'y a pas assez d'énergie. Du coup, on ne sait pas ce qui accélère le vent solaire et on ne sait pas ce qui chauffe la couronne. Et donc, on a décidé avec Parker Solar Probe d'aller aux sources et de faire des mesures dans la fameuse couronne. Alors cette sonde a été conçue pour frôler le Soleil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites techniquement pour y arriver ? D'abord, je pourrais peut-être dire deux mots sur la manière de se rapprocher. Quand on calcule la vitesse de la Terre, la vitesse tangentielle de la Terre sur son orbite, on tombe sur le chiffre de 30 km par seconde. Et en fait, dès qu'on lance un objet depuis la Terre, il part initialement avec cette vitesse-là. Il faut quelque part l'annuler de manière à pouvoir tomber sur le Soleil. Si vous prenez une fusée et que vous l'envoyez vers l'est à une vitesse de 30 km par seconde, vous avez 30 km par seconde dans une direction, 30 km par seconde dans une autre, votre vitesse par rapport au Soleil est zéro. Et là, vous tombez vers le Soleil. Le problème, c'est qu'on n'a pas de fusée suffisamment puissante, ni de second étage de fusée suffisamment puissant pour envoyer un engin à 30 km par seconde.
Donc en fait, ce qu'on fait, on envoie toujours vers l'est, mais on n'arrive pas à soustraire complètement les 30 km par seconde. On enlève une partie. Elle va atteindre une distance minimale par rapport au Soleil, qui va donc dépendre de cette vitesse qu'on a pu soustraire. Et la sonde, elle s'est retrouvée et elle a fait un premier passage qui était aux alentours de 25 rayons solaires. Et en fait, ce qu'elle a fait par la suite, on s'est servi du phénomène qu'on appelle le phénomène de fronde gravitationnelle. On s'est servi de passage à Vénus pour freiner à chaque fois la sonde. Donc au début, c'était au mieux, donc c'est une orbite très elliptique, donc au mieux 25 rayons, puis 20, puis 15, etc. Et actuellement, si je ne m'abuse, les derniers passages, c'était aux alentours de 13 rayons solaires. Et puis après, on va se retrouver à, grosso modo, 10 rayons solaires, 9,8 pour être précis. Mais comment une sonde qui passe aussi près du Soleil peut supporter de telles chaleurs ? N'importe quel objet qu'on met là va chauffer. Par exemple, le bouclier, au plus près, à 10 rayons, c'est aux alentours de 1600 degrés. Bon, bien évidemment, il faut être sûr que le matériau ne fonde pas. Mais l'autre souci encore plus important, c'est l'électronique. L'électronique ne fonctionne pas aux très basses températures, moins 50, moins si vous allez sur la banquise, votre téléphone portable va commencer à fatiguer et à petit à petit s'éteindre. Pareil, si on dépasse des températures très élevées, il faut pas être trop chaud, faut pas être trop froid. Et toute l'électronique qu'il y a dans ces instruments-là, faut que ça soit à un maximum de 100 degrés. Toute l'instrumentation à l'intérieur, derrière le bouclier, est maintenue à des températures raisonnables. Sauf deux instruments qui doivent faire face au Soleil. Un premier instrument, c'est les antennes de FIDS. L'autre instrument qui est en dehors du bouclier, le Faraday Cup, qui est un instrument qui mesure les protons du vent solaire. Comme les protons du vent solaire viennent directement du Soleil, si on se met derrière le bouclier, on ne les reçoit pas. Donc il faut s'extraire un peu du bouclier. Pour la petite histoire, ces matériaux ont été en partie testés en France. Ils ont été testés dans les Pyrénées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Font-Romeu, mais à côté de Font-Romeu, il y a un four solaire. Et c'est un système où il y a plein de miroirs qui renvoient la lumière du soleil sur un miroir géant qui converge. Et donc, on a un faisceau qui fait une taille d'une quinzaine de centimètres. Dans ce faisceau-là, on peut atteindre si on met un matériau dans ce faisceau, on peut atteindre des températures de 2500 degrés. Et donc, l'instrument a été en partie testé à cet endroit-là. On comprend bien pourquoi il a fallu tant de temps pour fabriquer cette sonde, parce que c'était évidemment des technologies qu'on ne pouvait pas avoir à la fin des années 50. Mais du coup, en termes de résultats scientifiques, est-ce que ça répond déjà à des questions que vous vous posiez ? Est-ce que vous avez eu des surprises ? Est-ce que ça confirme des hypothèses ? Les choses auxquelles on s'attendait, c'est que le vent solaire est tout sauf stationnaire ou uniforme. Le vent solaire souffle dans toutes les directions, mais ce n'est pas le même type de vent solaire qui souffle partout. Quand on va dans la couronne, on a une atmosphère qui est probablement chauffée par le biais du champ magnétique, mais on a une couronne qui est très hétérogène. La première chose, c'est qu'on a effectivement noté cette variabilité très importante du vent solaire. Et en fait, quand on s'éloigne du Soleil, quand on est à l'orbite de la Terre, toutes ces fluctuations sont quelque part gommées. L'autre point, ce sont donc ces fameux switchbacks. Le champ magnétique du Soleil, qui joue donc probablement un rôle dans l'accélération, s'éloigne du Soleil, il est emporté par cette couronne de plasma en expansion. Au bout de quelques 10, 20 rayons solaires, ces lignes de champ se retrouvent donc dans le plan d'écliptique, qui est le plan de rotation de toutes les planètes, et ont une forme bien particulière qu'on appelle la forme de la spirale de Parker. Puis si vous prenez un arrosoir et vous tournez autour de votre tête, et que quelqu'un fait un film au-dessus, eh bien, il voit que l'autre fait des traces qui sont des traces de forme de spirale au-dessus de votre tête. Donc l'eau, elle part radialement, mais comme vous tournez, elle trace une image de spirale. Et les lignes de champ magnétique ensuite qui vont se propager dans tout le milieu interplanétaire ont toujours cette forme de spirale plus ou moins régulière. Ce dont on s'est rendu compte, c'est quand on se rapprochait du Soleil, ces spirales d'Archimède étaient un peu accidentées, avec des formes de switchback. L'autre image qu'on peut avoir, c'est si vous prenez une corde, vous voyez, vous prenez une corde et puis quelqu'un tient la corde à l'autre bout. Si je prends la corde et si brutalement, je la secoue brutalement comme ça, et puis on voit qu'il y a une déformation de la corde qui peut se propager, vous voyez, eh bien ces switchbacks sont tels que le champ magnétique peut revenir vers le Soleil et repartir. Et ces objets-là pourraient avoir un rôle
dans l'accélération du vent solaire s'il y en a beaucoup, s'ils sont répartis relativement uniformément et si jamais ils sont capables de libérer de l'énergie dans le milieu. L'image qu'on peut avoir, vous jouez de la guitare, vous pincez une corde, vous allez avoir des ondes longitudinales le long de la corde, mais ces ondes vont être transformées en son. Le son va arriver à votre oreille. En parallèle de ça, ce son va transporter de l'énergie et une partie de l'énergie mécanique dans la corde de la guitare va être transformée en énergie thermique dans l'air autour de la guitare. Et on peut imaginer un mécanisme qui est similaire. Vous avez des lignes de champ magnétique qui sont agitées à la base du soleil au niveau de la photosphère, là où il y a ce qu'on appelle le mouvement de convection, et elles peuvent libérer cette énergie au fur et à mesure. Le fait qu'elles fassent des switchbacks de cette manière-là pourrait fournir une partie de l'énergie. Ça a été la grosse surprise. L'autre surprise, je dirais, c'est qu'effectivement le vent est structuré et on a l'impression que tout le vent solaire qu'on voit suit les lignes de champ et vient de régions de la couronne. Quand on fait une image de la couronne, par exemple, en UV, on voit plein de régions différentes. Eh bien, le vent viendrait de régions qui sont vraiment focalisées. Le vent ne partirait que de quelques régions qui représentent en surface un pourcentage qui n'est pas 100% de la surface dans la basse couronne. Et que petit à petit, ce vent se mélange et quand on est loin, on voit un vent et on a l'impression qu'il vient de toutes les directions. Et ça, on a pu le faire en se rapprochant vraiment du soleil et en essayant de connecter ce qu'on mesurait à la sonde à des mesures du champ magnétique depuis la Terre. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment extrêmement structuré, beaucoup plus structuré que ce qu'on croyait. On croyait que ça venait de régions plus importantes. En fait, des petites surfaces peuvent créer l'ensemble du vent solaire. De très belles photos de cette sonde ont été publiées dernièrement qui montrent la Voie lactée, les planètes du système solaire. Mais pourquoi elle n'en profite pas pour prendre des photos du Soleil lui-même ? C'est difficile, voire quasi impossible, à cette distance-là, d'imager la surface du Soleil et la couronne. Il y avait eu des projets éventuellement de faire un trou dans le bouclier et puis mettre un télescope derrière, mais ça, c'était thermiquement pas possible. Il y a une caméra quand même qui observe sur les côtés. Et quand on regarde sur les côtés, quand la sonde tourne autour du soleil, on voit les images du vent solaire, on voit les images de la couronne. Ces images qu'on voit avec notamment la mission Sourot, on voit le vent solaire qui s'étend dans toutes les directions. Là, on passe directement dans les jets de plasma et on les voit arriver. Cette caméra qui s'appelle Whisper, elle permet effectivement de faire des images et d'observer tout un tas d'autres objets. Il y a effectivement des images où on voit Vénus, la Terre et Mars. Donc on a une image de notre propre planète obtenue par une petite sonde construite par l'homme. Moi, j'ai trouvé cette image bouleversante, extraordinaire, presque poétique. Et puis on peut voir, en passant près de Vénus, des nuages qui étaient à des altitudes plus faibles, mais qui étaient tellement chauds qu'ils émettaient dans le visible. On a pu observer des mouvements de convection de Vénus nouveaux, et donc les gens qui s'intéressent à la climatologie de Vénus sont en train de travailler sur ces données, et c'est tout nouveau pour eux. Alors on sait que le Soleil a des cycles d'activité qui durent 11 ans, que le dernier a commencé en 2020, qu'il y aura un pic d'activité solaire vers 2025. Est-ce que ça a été prévu dans la mission ? Est-ce que ça risque d'endommager la sonde, par exemple ? Alors, ça a été prévu. En principe, ça ne va pas poser de soucis. Il faut savoir que le Soleil, il émet dans toutes les directions sous forme de vent solaire. Et puis, de temps en temps, quand il y a des éruptions solaires, vous avez de l'énergie du champ magnétique qui est libérée dans la couronne et qui peut se convertir en particules de très haute énergie. Eh bien, ces particules ionisées et ces particules accélérées, si elles sont en très grande quantité, si elles rencontrent un satellite, elles peuvent perturber l'électronique du satellite temporairement, donc ça peut perturber les images. Sur Terre, on est tranquille parce qu'on est protégé par notre champ magnétique et notre atmosphère quand on est très bas. C'est un peu comme les tremblements de terre, les éruptions. Vous avez des petites tremblements de terre et puis de temps en temps, vous avez un tremblement de terre genre Fukushima. Donc ça peut créer beaucoup de dégâts. Eh bien, les éruptions solaires, c'est la même chose. Il y a quelques événements par siècle qui sont extrêmement violents. Il y a eu un fameux événement en 1853, je ne m'abuse, qu'on appelait l'événement de Carrington, qui a été extrêmement intense, qui a créé des aurores boréales très lumineuses sur Terre, qui ont été très bas en latitude. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont calculé que les particules énergétiques envoyées pendant l'événement de Carrington, pour un astronaute, auraient pu être l'équivalent de ce qu'ont dû subir les nettoyeurs à Tchernobyl.
Et pour revenir à Parker Solar Probe, on a durci les composants pour qu'ils tolèrent mieux les radiations solaires. Mais s'il n'y a pas d'événements catastrophiques et de flux trop ionisants, Parker Solar Probe devrait en principe survivre sans problème au cycle d'activité et fonctionner au-delà de 2025. Merci beaucoup Milan. Merci à vous. Et merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur cette mission solaire. Et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Spatialistes.